Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, et vous allez voir, un tour 100% automatique. Franchement, des fois ça fait du bien de faire des tours automatiques, on se prend pas la tête, ça fonctionne tout seul. Et vous allez voir, là c'est un tour de style CAN, donc Card at any number, donc ça veut dire la carte à n'importe quel nombre. Vous allez voir, c'est une version vraiment simple, très astucieuse, et je pense que ça va vous plaire. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, et de cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos. Allez, c'est parti pour la démo. C'est parti pour la démo et avant de commencer j'ai ici une carte prédiction, un dos rouge vraiment. On va la laisser ici, je la toucherai plus. Et bien sûr un jeu de cartes avec des cartes toutes différentes mais bon, tout mélangé. Là lui non plus je le touche pas, il est positionné ici et je ne fais rien. Et là normalement je demande à un spectateur de choisir un chiffre entre 10 et 50. Vraiment là c'est assez grand hein, et vraiment le chiffre de son choix. Pas de choix équivoque, vraiment le chiffre ou le nombre de son choix, vraiment. Libre à lui, donc imaginons qu'il me dise, je sais pas, on va prendre au hasard, hein. Imaginons qu'il me dise 22, hein. Ça aurait pu être n'importe quoi, hein, mais on va dire 22. 22, ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande de décomposer ce nombre, donc, et ça il fait même dans sa tête, hein, s'il veut, il me le dit, il me donne pas le nombre à voix haute, hein, donc il fait dans sa tête, il prend le nombre qu'il a choisi, donc 22, il le décompose, ça fait 2 et 2. Ces deux chiffres, il les additionne, donc 2 plus 2, ça fait 4, et ce même chiffre, il le soustrait du nombre de départ. Donc 22 moins 4, il fait ça dans sa tête, hein, moi je ne suis pas censé savoir, hein, il fait 22 moins 4, ça lui fait dans l'occurrence ici 18, et du coup il me dit, il peut le dire, il peut prendre même le jeu en main comme ceci, et il va compter donc 18 cartes. Vraiment, ça aurait pu être tombé sur pas mal de possibilités, vraiment libre à son choix. Donc là, il compte 18, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, la 18e est ici, 19 ça aurait pu tomber sur ces cartes-ci, hein, vraiment, vraiment c'est au hasard, hein. Là toutes les cartes juste avant elles sont différentes, hein. Y a pas de problème à ce niveau-là, hein. Pourtant, lui il a choisi une seule carte qui correspond à son nombre choisi au départ, le 3 de trèfle, ça serait fort que ma carte prédiction est bien le 3 de trèfle. Incroyable, non? Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu et vous aura donné envie de savoir la méthode de ce tour. Bien entendu, les explications sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu qui fait plaisir. Allez voir mon école de magie pour apprendre d'autres tours de magie. Mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à souscrire à Tuto Magie Premium si vous voulez avoir plus de contenu et surtout du contenu exclusif. Bref, tout est dans la description, je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos. N'hésitez pas à aller voir, il y a toutes les infos. En tout cas, grand merci à vous tous d'être fidèles chaque semaine sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.